L'adolescente Lil Tay, âgée de 14 ans, est-elle véritablement décédée? C'est la question qu'énormément de personnes se posent à travers les réseaux sociaux. Je vous explique tout. Sa mort avait été annoncée à travers un post sur les réseaux sociaux de l'adolescente, suivi par plus de 3 millions de personnes, et elle a depuis été énormément relayée. Mais beaucoup d'éléments remettent en doute son décès, ainsi que celui de son frère. Lil Tay s'était faite connaître il y a 4 ans, alors qu'elle n'était qu'un enfant, à travers des vidéos qui faisaient énormément réagir. Mais depuis, elle avait disparu des réseaux sociaux, ses comptes étaient restés inactifs. Son père interrogé a déclaré qu'il ne pouvait rien dire pour l'instant concernant cette histoire. Le manager de la petite fille a également indiqué qu'il ne pouvait ni confirmer ni démentir l'annonce qui a été faite par la famille de Lil Tay, car la situation semble très complexe. Un détail partagé par la famille semble remettre en doute son décès. Dans le message partagé, il est indiqué qu'une enquête est en cours, sauf que la police de Los Angeles a indiqué qu'elle n'avait aucune information sur la mort de l'adolescente et de son frère. Depuis, les internautes ont partagé de nombreuses théories. Certains se demandent si elle ne serait pas décédée dans un autre état. Certains pensent qu'elle serait abusée par ses parents car ça fait 4 ans qu'elle est inactive sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de l'adolescente a comme description « Aidez-moi ». D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'une fausse annonce pour faire parler d'elle. Sauf que contre toute attente, le frère de Lil Tay a publié récemment un post dans lequel il indique qu'il n'est pas mort et qu'il n'a pas non plus accès aux réseaux sociaux de sa sœur, que lui et sa sœur étaient sur le point de gagner un procès et qu'ils devaient récupérer leur compte d'ici quelques jours et que leurs parents souhaitent qu'ils disparaissent d'internet. Il indique que ses parents ont abusé de sa sœur et que seuls eux ont accès aux réseaux sociaux de Lil Tay et que c'est eux qui partagent de fausses informations. Il indique également que les deux ne sont pas morts. TMZ a d'ailleurs retiré leur article qui parlait du décès de Lil Tay. Dites-moi ce que vous en pensez.